Le représentant permanent de la Chine à l'ONU a demandé au Conseil de sécurité d'éviter de politiser la situation humanitaire syrienne. Liu Jiei dit que le Conseil de sécurité devrait s'assurer que les conditions sont propices au retour d'un cessez-le-feu, à des négociations de paix, à de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et à l'apport d'aide humanitaire. La Chine et la Russie ont toutefois posé leur veto à une résolution demandant la mise en place d'une trêve humanitaire de 7 jours à Alep en Syrie. Liu Jiei dit qu'il existe encore de sérieux différends quant à la manière d'aborder le conflit et que cette résolution n'aurait pas amélioré la situation dans le pays. Il ajoute que des négociations et un dialogue pacifique sont nécessaires pour mettre fin au conflit le plus tôt possible.